Salade russe au Mont-Blanc, c'est le dernier titre édité par JM Édition sous la double plume de Hervé Baudot et de Cédric Sapin Defour. Donc, et comme d'habitude, hein, dans la collection des petits livres jaunes, ce sont des friandises. C'est à déguster. Alors, c'est quoi l'originalité de ce texte? D'abord, c'est un polar. C'est un polar sur la montagne. Il n'y en a pas tant que ça, des polars sur la montagne. C'est un polar qui se passe sur les pentes du Mont-Blanc. Et puis, dans la collection des petits livres jaunes, on essaye toujours de tirer un fil un petit peu original, d'avoir une liaison avec l'histoire de la littérature. Et là, c'est un cadavre exquis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le procédé du cadavre exquis, c'est un procédé littéraire qui avait été inventé par les surréalistes et qui consistait en fait à écrire à plusieurs mains. Alors là, c'est un petit peu adapté pour le Salade russe au Mont-Blanc, puisque les deux auteurs ont écrit alternativement les chapitres de cette histoire. Donc, bien évidemment, ils avaient connaissance du chapitre précédent qui venait d'être écrit par leur collègue. Et puis, en quelque sorte, il fallait qu'ils prennent le lead de l'histoire et puis qu'ils s'emparent des personnages et qu'ils continuent comme ça de les faire vivre. La seule demande qu'on avait eue envers les auteurs, c'est évidemment que ça parle de montagne et on ne savait absolument pas vers quoi ils iraient. Et finalement, c'est un polar qui s'est dessiné au fil des semaines, au fil de ces 2 années d'écriture pour Hervé Baudot et Cédric. Et un petit mot pour les librairies en ce moment qui sont en difficulté? Oui, alors, où est-ce qu'on le trouve? En librairie. Aujourd'hui, on sait que c'est difficile pour les libraires, donc il faut commander. Il faut commander en librairie. Nous, on envoie aux libraires et les libraires sont tout à fait capables de fournir les titres que l'on a envie de lire. Donc voilà, les libraires, les libraires, les libraires.